C'est à 18h45 minutes précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le premier ministre tchadien, Alamaï Halima. Alors madame, ça va? Tout va bien? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre National du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareil pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi,
les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération.